Salut les gens, on est reparti, là on est devant une petite statue de la déesse. Ça va bien les gars? Oui. Bah ouais hein. C'est quoi la Gison ou la Gison ou la Gisèle? Gisèle, je sais pas, je pense. Allons-y. Ouais, tu regardes Critical Role. Vous êtes prêts, du moins l'espérez-vous. Oula. Oh. Oula! On a fait tout ce qu'il fallait? Je crois que oui. Allez, alors oui. C'était la raison pour laquelle je vous ai... Oh merde! Oh ah non, c'est bon. Ah, j'ai cliqué oui, mais je savais pas si... Ah, t'as qui savait qu'il y a private moment? Mais je suis pas... Mais c'est pas un moment privé. Attends, si j'active et je désactive. Bon là je marche dans l'eau, l'eau s'enroule autour de ma jambe et me met à serrer, je veux m'enfuir et le truc me rattrape et je me suis englouti avec pas un acte cinématographique aussi proche de... Ça y est, je vois de... tu te réveilles là. Ouais, en gros je suis tombé dans l'eau. Et apparemment j'ai tenté de respirer dans l'eau, ce qui n'est pas une bonne idée, sachez-le. Et ouais, c'est comme la compote, ça fait tousser. Exactement. Oh c'est mignon. Il n'est pas déjà venu ici? Ah non, c'était pas, ça n'avait pas cette tronche là. Mais par contre ça ressemble à quelque chose où on est déjà venu, effectivement. C'est sympa toutes ces petites pointes partout là. Il y a un petit côté C'est comme dans mon salon. Un petit... Oh là. Ah si jamais on fait une IRL, désolé, je crois que je serais malade le jour où on ira chez toi. Je sais pas vous, mais je crois que je me sens plus léger. Ouais, ça, je pense que ça a été assez clair. Est-ce que tu sens plus léger? Ah oui, d'accord, je viens de voir. Est-ce qu'on aurait pas dû faire un repos avant d'y aller? C'est ça qui aurait été intelligent. Et quoi, je dois sauter là-bas en bas? Mais à l'infini et l'au-delà, buzz de clair. YOLO. Ça c'est bon, alors là par contre quand tu sautes je les trouve mais tellement kiffants. Oh, il y a un PNJ devant. Tribun vengeur, pétons-lui les dents. Écoutez là. Bah non. Oh. Il est disparu ce con. Regardez, vous êtes prêts? Putain, le méga jump. Oh. Ah ouais. Vas-y, tu regardes sur la plateforme s'il y a des trucs. Moi je fais un saut de turbo fou là. Non, moi j'aimerais bien aussi, mais tu peux pas. Ouais. Oh non. Oh, je suis... Oh merde. Oh, je suis déception. J'ai encore ressorti mes barres de sort. Attends, mais t'avais pas monté encore? Non, tu peux pas tout descendre d'un coup. Vas-y, je saute jusque là-bas, moi. Paf. Bon, du coup, on suppose qu'ils vont tous déguerpir les mobs. Je loot, hein. Y'a 2-3 trucs à récupérer. Vas-y. Oh. Genre des os. Un casque de Justica. Non, les trucs qui se vendent, hein. Ouais, les flèches, là, par contre, ça se vend pas. Moi, je trouve un os. Et bah, très bien. Une pique cassée, ça, bouclier brisé. Ça sera. Je suis tombé sur un os. Deux éponges et un lit. Ouais, allez. Pierre affûtée et un parchemin pour nous. Un parchemin quoi? Pour nous. Ah, ok. C'est ah, clair, c'est mon père, que j'ai entendu. C'était la divinité, hein, la divinité. Ouais. C'est la culture. Je m'ai interrompu. Genre, je peux sauter là. Ça n'a aucun sens. Mais bon. Attendez, il y a Dayton au milieu là. Ah, il y a son chant de nuit. Ah, bah attendez, il faut que je reprenne. Attends, on n'y va pas maintenant, s'il te plaît. Okay. Est-ce qu'il faut la tuer, Dayton ou pas? En tout cas, j'ai trouvé deux pièces d'or. Dans le doute, je sauvegarde, sait-on jamais. Ça, je. Hop là! Voilà, c'est bon, je suis là. Est-ce que je mets la... Attendez. Moi j'ai récupéré tout à l'heure là, quand on cherchait le bon bouquin là. J'ai récupéré une lance qui me dit que si Char le permet, on peut utiliser cette lance pour tuer Nightsong. Voilà. D'accord. Décide-toi vite de l'équiper ou pas parce qu'il est en dialogue là donc. Ah ouais? Ouais. Et si tu veux pas louper un truc intéressant à participer. Ouais. Let's go. The first in a century. You have
J'adore ce perso. Ah mais elle a l'air cool. You who seek to claim the ultimate prize. Ça peut être un pote. Present your weapon, soldier. Plunge it into the night sun. I cannot stop you. But know this. I never forget a face. Hein? Ah bah, et c'est moi qui l'ai. Et bah non. Then your task is done. Lay a hand upon me in camaraderie, and I will be free. A century have I been confined here, and I would spend a century more in devoted gratitude to they who set me free. Catherick will be made mortal, and then, lo, then I will run him through until he's dead. Ah ouais. Ah ouais, là, non mais. Bah... Bien ouais. That and nothing more. So certain was Balthazar that I had no friends in this place. Oh, how he taunted and cajoled. But if you are a friend, you can be my salvation. Bah tous les jours, tous les jours. Allez, je fais ce qu'elle dit. Bah tu peux. Yes. Attends, tu peux encore lui parler. Ouais, j'avoue. Bon là, fermez vos. Enfin, moi je me tais. Century of sorrow. Your power is great. So too must be your weapon. You must choose what you will wield. And the Moon Maiden will provide. Thus I have said. Thus will it be so. Are you ready? Incroyable. Tellement de flow, cette cinématique, elle me fout les poils. Grave, moi je veux jouer Nassimar aussi. Ben oui, mais moi aussi je voulais être un Nassimar à la base, et quand il n'y avait pas la race, j'étais bien énervé. Mais t'as dit quoi? Je lui ai dit, est-ce que vous êtes prêts? Je lui ai dit, pourquoi? À tuer Kaestrick Storm? Ok. Mais le weapon, on l'a pas le weapon? J'ai vu le coup de machin. Il a dû récupérer, hein quoi? Ah genre elle va y aller, elle va le one shot ou quoi? La lance. Elle a pas changé la lance, hein, c'est toujours la même. Ah ouais? C'est après? Katox est dans un dialogue? Ben j'ai. Moi j'ai la cinématique où elle fonce. Ah oui, regardez-la. En fait, elle.
elle purifie un peu toute la ville, quoi. J'ai l'impression. Couteau du clair de lune. Oui, bah regarde le truc, tu vas, je pense que tu vas beaucoup payer. Alors, 1 des 6 plus 6, 1 des 4 radiant. Cet objet diffuse une lumière dans un rayon de 6 mètres. Arme plus 2, et une arme en plus. Attends, mais c'est quoi que t'as récupéré? Une coutille. Ah, non, c'est pas celle-là. What? Je sais pas, c'est le seul truc qu'on m'a filé, moi. Oh, et ça donne papillon de lune. Quoi. Papillon de lune. Papillon de lune. Ah non, c'est pas. Non, mais c'est pas cette arme là auquel je pensais. Ah, peut-être qu'on l'a plus tard l'autre, je sais plus. Après, si tu la veux pas, moi je veux bien. Bah, prends-la. Et c'est une arme lourde, tu peux pas. Les glaives, tu peux les manier? Non, j'ai cru que c'était un. On se casse. Du coup, on se casse. On se casse. Il y a un escalier, on y est pas allé. Ah mais attends, elle fait autant de dégâts que mon arme. Ah, on a un broker qui est dehors. Je pense qu'elle veut oh nous parler. Oh merde. Oh, ah ouais. Attendez avant de lui parler, please, parce que vous avez pas douté en fait. Too late, on est sorti, elle nous parle. Oh là là, oh putain, fait chier. De quoi? Bon bah je loot et j'arrive. Ah, j'ai envie de savoir ce qu'elle dit parce que moi à chaque fois j'ai fait la quête avec elle. À mon avis, elle va pas être contente. Elle est pas contente. Ah, genre, attendez, alors c'est ouais, pas l'idée là. Attendez, lui parler, on n'est pas là en fait. Mais on j'ai rien fait, je suis sorti, ça mais... s'est déclenché. Soit, mais s'il y a un choix de dialogue, please, attendez qu'on finisse de looter. Mais non, c'est trop tard là. Bien sûr que j'attends. Bah, je sais pas, tout à l'heure, moi j'ai même pas eu le temps de lire que t'avais déjà cliqué, alors. Quand on causait à la Simar, donc à partir de là, je sais pas. Ouais, bon, en fait, je pense qu'on a loupé toute l'engueulade. Oui. Oui, mais maintenant, j'ai le choix entre attendez, je regrette vraiment, ce qui n'est pas du tout mon cas. J'ai agi dans notre intérêt, faites-moi confiance, ou c'est ça, partez, je ne vous retiens pas. J'ai très envie de dire la 3. Bon, vous me dites hein, quand vous êtes arrivé. Hein, que vous avez... ouais, c'est bon, moi je suis là, tu. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit à la demoiselle? Il reste faire foutre. Ok. You would be wise to forget me. I can only hope. Après moi j'ai dit ça, c'est pas forcément moi qu'on se met les gars. Hein. Salut. De toute façon. Elle est pas très bien. Ambiance. Attends mais fallait la buter. On pouvait pas. Mais bon enfin. Bah. Bon du coup après on doit aller retourner à la tour de Haute Lune du coup. Et on a pas récupéré ses affaires? On lui avait pas filé. Ah si. Je crois que j'ai récupéré un sac avec des trucs dedans, sac à dos. Ouais, donc elle est comme assez gentille pour te refiler. Ouais, c'est ça. Des popos. Je vous déteste, vous êtes plus ma pote. Par contre, tenez, je vous donne mon sac. Petit pare-chaud de résurrection, c'est toujours ça de gagner. Et sac de provisions, ouais, nice. Des clés aussi, une bourse. Bon, du coup, là, faut aller à la tour de Moonrise, quoi. Ah bah ouais. Là, on va casser la gueule. Moonrise Tower, here we go. Ouais, je pars la porte d'entrée cette fois-ci. Ah bah oui, hein, on fait des choses en grand. Moi, j'ai bien envie de me soigner avant. T'es bon niveau qui? Ça devrait le faire. J'ai presque tous mes sorts. Je vous attends, mais je m'occupe de. Des combats tout de suite là ou. Alors déjà, il y a du loot. Oui. Ah, mais déjà, il y a plein de gens qui sont morts là. Il y a des gens en vert là. Ah, il y a pourquoi je peux pas looter lui. Ouais, est-ce que moi je suis pas avec vous là. T'es en TP? Ouais, on est de l'autre côté de la barrière là. Effectivement, il y a des gens qui sont morts. Des points.
There's a parasite in that corpse. Oh, on a compris, ouais. Oh, oh non, Jaira a fait tout le taf. It might be useful. There's another parasite. Collect it. It might be useful. Quelqu'un me parle. Ah. Unshackled from shadows. Je peux pas voir la conversation. She will rise. Oh, je suis pas en direct PD, hein. And carve a path of brightness to the accursed ones. Non, les embrouillés vraiment. Non, ça non. Yeah. That beacon of angelic wrath has taken a fight to Catherick on the rooftop. In the first line of defense. Oh, on a récupéré une armure qui vaut 1450 pièces d'or. And if we wait too long, Catherick will gather his strength and retaliate. C'est-à-dire des gens qu'on a déjà buté tout à l'intérieur. Alors, si jamais il y a he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. Moi je fais de la place dans mon inventaire parce que je suis déjà the spearhead moment. Vous êtes dedans là? You brought us this far. C'est une cinématique. So how shall we proceed? C'est Jaira qui nous dit ouais c'est bon, faut aller le buter, mais faut aller vite parce que sinon il va reconstituer ses forces. Donc là, petit choix, est-ce que vous arrivez à le voir finalement ou pas? Ouais ouais. Moi je suis toujours pas au choix là, je suis toujours en train de parler. Là. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Pour commencer, entrons et prenons le contrôle du rez-de-chaussée afin d'empêcher quiconque de sortir. Ok. 2, c'est vous la grande ménestrelle, à vous de me le dire. 3, faites ce que bon vous semble, mais ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Bon, là, stratégie. Ah bah, moi je vais dire 1, hein. Ouais. A sound strategy. Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Ah, la loi va servir quand on va taper le général. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. Let's go. Allons-y. At the ready, harpers. Alors. In this light, tu lui as dit de nous joindre ou pas? Non. Je lui ai dit allons-y. Ah, vous m'avez dit allons-y, moi je dis allons-y, hein. Allons-y, allons-y. The time has come. Catherick will taste of death at last. En gros, si j'avais fait l'autre choix, elle se joignait à nous quatre, c'est ça? Bah, elle rejoignait en tout cas la team et elle était dans le camp et on aurait pu filer ses épées à. Ah, t'es bien. Mais on s'en fout des épées. Puis on l'a fait mystérieusement mourir. Hein. Bah, bon, faut. Ah non, hey, c'est une on loot les corps. On loot les corps. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire. C'est déjà fait. Non. Non, 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 non. Alors, je sais pas ce que vous foutez, mais il y a encore tout, hein, d'ailleurs. Ah, parce que t'as pas profité que je sois en dialogue pour aller looter tout ce qu'il y avait dehors? Bah, non. Ouais, 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 ouais. Bah, aussi, j'ai envie de profiter du jeu. C'est pas parce que je l'ai déjà fait que ça veut dire que j'ai pas envie de leur faire. Alors du coup, est-ce qu'il reste encore des trucs à looter? Bah ils sont tous blancs les cadavres. Il y a oui, c'est bon. C'est juste que vu que c'est des armures ultra lourdes, je suis obligé de toutes les prendre pour les foutre quoi. Alors dialogue, t'es ultra encombré Arda par contre. Tu peux me filer des trucs à vendre si tu veux. Ah, tu commerces? Ah bah, si je vais t'envoyer des trucs à vendre. Ah, tu commerces avec qui toi? Bah l'intendante. Oui, là. Genre, ils sont très forts pour récupérer tous les cadavres, mais pas pour repérer l'intendante qui est genre juste à côté. Elle est avec nous. Bah ouais. Ouais, tu imagines bien en plein combat, tu sais. Oh, elle m'a envoyé tous ses bouquins. Ah pas. Ah oui, elle est là. Je m'attends. Voilà, je suis toujours bourré. Armure de mage. Oh merde, quel con! Attendez. Ah putain, chier, quel boulet! Tout à fait. J'ai envoyé mon sac avec toutes mes popos et tous mes trucs au camp. Ah, quel débit! Attendez, je vais essayer de voir si. TP out. Ouais, mais là on est bloqué dans la zone, je peux pas me TP donc attendez, je sors de la zone et je récupère mon sac. Si vous pouvez faire un petit interlude. Hop, ouais, une. Je sais pas où passer le nain. J'arrive, je suis en train de me préparer là, c'est. Non, c'est merde, c'est pas mon coffre.
pensez à boire quelques popos aussi, je vous vois en pas très très bonne santé. Je suis en bonne santé. Là. Voilà. C'est bon, on n'a rien vu, je t'entends pas le CBSS, je suis de nouveau présent et j'ai tout ce qu'il faut. Ta 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 ta. Pas soigné. T'as dit quoi ? Tu ne t'es pas soigné. Non. Pourquoi je peux rentrer dans le... Non ! Non, si je bois une popo là, je vais consommer une turbo méga potion, donc j'en ai que deux. Ah, on va enfin pouvoir défoncer la disciple Zrel. T'as un fil ou pas ? Si t'as des médiums, je veux bien. Ouais, j'en ai 15. Ouais, ouais, je n'ai pas des... Je n'ai pas autant. J'ai 18 petites, moi. Ah, yes, merci. Ouais, c'est bon, c'est... Bon, et bah, on avance. Eh bon, je suis prêt. Eh bah, tata yo-yo. Vas-y, je t'en prie, à toi l'honneur. À moi ? Ouais. Let's go. Petit dialogue. You dare show yourself here after all you've done. Bah oui, c'est le but. Bah oui. On veut pas manquer la fête. And for what? These harpers. Moonrise will be their tomb and in death you will all serve the absolute. Bon, on attaque hein. Rendez-vous, je vous laisserai la vie sauve. I thought you'd be another notch on my bedpost. But instead, I'll make a trophy of your bones. C'est vrai qu'elle voulait nous ken. Boys, make them bleed. Bon, bah, ouais, je suis au début du turn order. Oh, il y a tellement de gens dans ce combat, mais quel enfer. Elle est où la conne? Elle est au beau milieu, tu peux pas la louper. Disciple Zrel. Elle a des images miroirs. Ah putain, elle m'a... Wow. Bon alors elle m'a counterspell, donc vous pouvez vous occuper de... Je suis un peu loin dans le turn order pour l'instant. Oui, bah, moi j'imagine que je peux à la toute fin. Après je peux mettre... Après je peux mettre une bonne fin d'Adar juste sur le passage pour qu'il monte l'escalier. Peut-être... J'ai envie de crever parce que c'est une action de changer un objet. Ah. Qu'est-ce que je peux faire moi ? C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai bien envie d'aller là-haut moi. Qu'est-ce que je peux... Si tu viens en haut, pourquoi descendre, ça va être chiant. Ah ouais, je vais faire ça. Paf ! Bonjour ! Ah merde, putain, j'ai pas assez planté, chier. Tu voulais faire quoi ? Bah, mais mettre au cac avec elle. Enfin, ce turn order de... En fait, je savais qu'on aurait dû tout buter quand on était... avant de partir. On aurait fait plus d'XP, bah, on aurait oui, pas partagé avec les autres. Peut-être pas eu la quête. Là, tu vois, c'est... Enfin, si on serait passé à côté quand même tout un pan, justement, où tu découvres les méchants, tu vois, genre, on est les méchants, on a ses ambitions, c'est... ça aurait été dommage. On aurait pas pu faire plein de commerce en plus. Il y en a qui regrettent d'avoir avancé un peu trop là, non ? Ouais, c'est... Après, c'est pas grave, j'ai son PV. Bon, 94 PV. À la fin du temps, j'ai peur. Bon, je vais mettre une zone. Une fin d'Adar, je pense que. Je peux tenter de la mettre en plein milieu en fait, hein, s'il faut. Tu peux la mettre de façon à ce que je sois pas dedans. Ouais. Bah, je peux essayer de choper tous les gnolls sur le côté et Mig. Ça te va ça ? Non mais après prends Zrel aussi hein. J'essaie de... Faut lui enlever des images miroirs c'était pas... Ouais mais les AOE ça leur retire pas les images miroirs. Enfin, c'est nous qui est au cac qui allons devant. Oh merde putain elle a ça. Attends. Ah c'est bon, j'arrive à placer là. C'est bon, un petit silence hein. Ouais bah, j'ai essayé de lui mettre un silence mais elle m'a counterspell donc là elle est free hein les. Non parce qu'elle va jouer. Elle va jouer avant que... Oh, oh, ça c'est bon ça. Je pense que j'en ai eu quelques-uns. Et pour après, fêter ça. La fin d'Adar, tu pouvais la mettre jusqu'à moi, il y avait pas de soucis hein, parce que là si elle non, se mais déplace, je voulais choper les deux autres du dessus aussi.
Ah. Non mais elle est frightened, elle peut pas se déplacer. Non, ils peuvent se déplacer, je crois. Si elle peut se... Oh tiens, oh, là. What? C'est ça? Je n'aime pas ce qui vient de se passer. Et non. Là. Ok, ben, ok. C'est bien, c'est toi qu'on peut. Ah bah, Jaira, elle a fait exactement ce que je voulais faire. Non, je vais caster une fireball sur... Oh, il y a des gens qui sont très haut placés, là. Non. Il y a Bélu, la colite qui est tout en haut, là, sur les poutres. Il y a plein de gens sur les poutres. Ah ouais. Ok, bon. Ah oui. Le mec, il jump. Mais arrêtez, là. La définition de se faire bolos. Mais ouais. Non. Ouais. Il vient de perdre 70 PV, j'en peux plus. Attends, mais. Mais surtout, j'ai autant d'AC que toi, donc je pensais que ça allait me servir un temps soit peu, mais j'ai l'impression de me balader en panique. Donc désolé, je ne vais pas utiliser de sort offensif, hein, je vais me protéger la gueule. Juste ne bouge pas avant le début de ton tour. Ah non, bon, mais là de toute façon c'est pas prévu. Hein. Je vais rester tranquille, le chat. Je vais te buff. Tu vas me buff? Ouais, tu vas voir. Oh bah t'inquiète, je comptais claquer un pare-chaud de blur donc déjà ils auront des avantages pour moi. Ah mais attends, mais ils m'ont tous touché alors qu'ils avaient des avantages. C'est peut-être le moment de sortir ton Lightning Strike. Bah non, parce que je vais toucher les alliés. Non, c'est que les ennemis, les light. Non, parce que non, là il faut mieux pas parce qu'elle a les trois images miroir, donc ça, il y a une chance que ça parte dans l'image miroir. On est d'accord que le général il va être tout seul. Quoi? Le général, quand on va aller le taper, il va être tout seul. Bonne je ne prononce pas. Bah, y a tous ses potes qui sont là, il n'y en a pas d'autres là-haut. Je me prononce pas. J'ai la caméra, filme-moi un angle sympa. Non mais je te parle pas à toi, je parle à Arda et Katox. Bah, potentiel peut-être, je sais pas. Bon, on va partir du principe qu'il sera tout seul. Que je peux toucher la grosse bébête qui est là en plus, non. Mais tu choisis sur qui ça tient? Non, je vais faire un autre spell. Et j'espère que je toucherai pas à Mimnir. Tu vois lécher le sol parce que c'était pas bon. Impossible? Comment ça impossible? Comment ça impossible? J'ai une déplacement insuffisante, mais ta mère. Hé hé. C'est Lightning Bolt que tu voulais faire? Non, je voulais mettre un glyph de garde, mais c'est 9 mètres de portée. Ouais, c'est du cac le bordel. Invocation d'élémentaire. Je peux pas claquer un sort de level 5 ici, ça vaut pas le coup. Ah putain, quand c'est pas mon tour, je peux pas ouvrir mon sac, c'est chiant ça. Ouais. Ah, ça pourrait être au moins. Tu prends le temps de réorganiser tes affaires. Parce que en ayant retiré ma petite sacoche, ça a retiré tous les objets que j'avais mis en. Comment dire en... Ah, en accès rapide. Ouais. Ah putain, elle a touché, elle a pas retiré l'im. Ah, mais non, ouais, c'est une AO. J'ai peur. Zéro, bien. Ouais. Ok, alors attends, le Mimir bouge pas ça. On va essayer de faire une arnaque moldave. J'ai rien contre les moldaves. Hein. C'est une vieille expression qui court chez nous. Ça déjà. T'as fait quoi? On a Ast. Oh, je t'aime. Attends, mais les ennemis aussi. Lui il est mort. Non, il a visé pour faire en sorte que le coup 2. C'est parti. On va faire taper maintenant. Alors attends, Non parce que. Ah, ne bouge surtout pas. Non, là, je bouge pas. Comme ça maintenant. Voilà. Je ne bouge pas. Je crois que je t'ai touché quand même. Oui, tu m'as touché. Mais de toute façon, ça sert à rien que je mette pleur parce qu'ils sont tous en désavantage, mais ils arrivent quand même à me toucher. Attends, ils arrivent à me toucher, j'ai. Pff, oh, je comprends rien.
je vais faire ça. Donc là on a hâte, tu m'as dit. Ouais. De sortir de l'Europada. Ah putain, par contre. Alors, my bad. Je suis trompé. C'est pas qu'on a hâte. Peut-être fait une bêtise. Enfin, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a fait avec le cul? En gros, c'est. Y'a quoi qui suit? Non, non, mais sort de la fin d'Adar. Ouais, sort de la zone. Ah là oui. Ici, t'as bien un score de hâte, l'entité a ouais, de pendant plus de plus 2 à la classe d'armure et un avantage sur une sauvegarde de dextérité de plus à vitesse de oui, mais le problème c'est que les spores ils restent en l'air et du coup j'ai peur que les mobs ils en passent. Ah oui, c'est pour tout le monde, ça va être cadeau. C'est pour ça. Ouais. Oh putain, mon éclair il est allé jusqu'à eux. Oh. C'est cool. Ah oui, c'était pas prévu ça. Mais eux, ceux qui. Merde, pardon, non. Là, ceux-là, ils sont... Putain. Ici, eux, ils sont vulnérables à l'eau. Je leur ai balancé une petite fiole d'eau. Donc, si tu leur mets du froid ou de l'éclair, ils vont pas kiffer leur vie, les quatre, là. Mais ils auront le temps de bouger d'ici à ce que ce soit. Oh, j'ai que 25% de chance de la toucher. Je suis un peu déçu, quoi. Bah, après, ouais, mais tu pèteras les images du miroir. Non, mais je voulais lancer un bon sort. S'il fonctionne, il y a moins que je la défonce, là. Ah, c'est pas un Eldritch Blast que tu peux lancer? Oh, je peux lancer une orbe chromatique de fou. Comme ça, j'ai bah, les AOE, ça passe à travers les images miroirs, je crois. Donc, si tu balances un truc en AOE, tu peux les toucher sans que les images miroirs soient prises en compte. Mais non, les images miroirs, c'est ça t'augmente ton AC de base. C'est juste si tu la tapes, ça baisse son AC, mais. Oui. C'est juste une question d'armure, de classe d'armure en fait. Non mais je suis d'accord, lui. Mais les dégâts arrivent à quand même passer outre parce que quand tu vas taper sur l'image miroir, je te laisse celui qui a CPV. Son AC, mais ça va aussi absorber l'attaque que tu lui fais. Celui qui a CPV, il est dans la fin d'Adar donc en soi il va peut-être mourir. Donc, Ouais, vulnérabilité au froid, sachant que la fin d'Adar lui fait des dégâts, normalement il devrait crever au prochain tour. Bon, je vais faire un coup sur la draine. Ah bah voilà. Ouais, bon, je pense que. Ah, une image me rend en main, bah voilà. Oh, elle est pas bien. Non, mais. Vache ! Ah, elle est morte. Oh, le paquet, ce qu'elle a fait là. Putain, je suis dedans encore. Je vais peut-être désactiver la fin d'Adar une fois qu'ils sont tous. Dépassé là, pourquoi ? Ouais, il y avait plus que des alliés dans la fin d'Adar, on est bien d'accord. Globalement. Ouais, allez hop. Ça sert à rien de les. Voilà. J'ai pas tout compris là. J'ai pas compris ce qui s'est passé, il y a eu des mouvements de caméra de folie. Moi non plus, j'ai rien compris. J'ai vu ultra critique dans tous les sens. Je suis pas mort et ça m'arrange. Ah bah. C'est bien, il y a les archers qui tapent en rouge. Après, l'XP des alliés, on l'a gagné aussi. Hein. Oui. J'espère bien. Mmh. Ah, t'es passé dans la Atarda, c'est bien ça. Oui. Moi, je suis où? J'arrive même pas à savoir où je suis. Mais non, c'est pas moi ça. Putain, ah. C'est un PNJ. Ah bah, t'es là alors. Espèce d'enfoiré, bah d'accord, c'est un homme, mais bon. C'est un nain avec un marteau, ça va, c'était pas si mal. Ah ouais, moi j'ai une hallebarde donc super. Bah, Je pense que je les ai bien défoncés là. Ils ont un peu tous fait prout, hein. C'est bien, j'ai claqué un sort de level 3 en pensant que le combat est un peu plus compliqué. Bah c'est ça, ça avait l'air assez simple. Oh j'adore ouais. La glyphe, elle est tellement bien. Il y a un Zenob là-bas. Ah mais il y a encore ceux qui sont sur les poutres là. Non mais je vais leur balancer les Eldritch Blast et je vais les faire descendre de là. Oh ouais. Oui. Il y en a deux. Il y en a deux, je crois. Ok. Voilà, j'en vois deux. J'en vois que deux. Ouais, et taper sur les PNJ. Ouais, c'est bien, ils sont là pour tanker. Boom. Alors.
Bonjour, est-ce que t'as envie de descendre? Et toi aussi. Voilà, ils sont descendus. Ils sont peut-être même morts, non? Putain, je non, il reste un PV. Allez. Celle-là? Attends, on va, je vais lui faire faire dodo. Voilà, un PV. Il en reste pas un au sommet quand même? Non, non, j'ai eu les deux, je crois. Ah, quoique, non, non, les deux sont tombés. Attends, pourquoi je me... Mais du coup, j'ai pas compris ce qu'elle a fait, Ah, je suis pas repassé dans la hâte, putain, je suis trop con, j'aurais dû... Bah, moi, j'ai vu, genre, du dégât, comment dire... Du dégât radiant, ça a fait genre un truc critique de dingo et... J'aurais peut-être pas dû me mettre là, moi, avec mes 16 PV, là. Non, c'est... Je me suis soigné. On va voir. Ah, t'as pas esquivé celle-là, tiens. Ouais. Oui, elle peut faire ça. Non, mais c'est cool. En fait, j'ai juste oublié de marcher dans la hâte, quoi. C'est un peu. Y'a même pas un petit pote qui m'aiderait, quoi. Non, ils se battent les couilles de moi, quoi. Les connards. Bon, il en reste un. C'est tout. Oublie, passe dans la hâte pour avoir une action. C'est vrai que t'es en train de te vider de ton sang. Y'a tout le monde qui est autour, ça va? Pas passé dans la. Y'a pas hâte, c'est pas hâte. Pourtant, je suis passé dans le nuage, hein. C'est dans la périphérie. Alors lui, il doit vraiment passer une très mauvaise journée, je pense. Ça, il est tout seul. Ah, là, il capte la fin d'Adar. Peut-être pas la bonne idée. Mais. Alors, comment dire que non? Je pense que c'est toi qui va venir avec nous. Ouais. Pimpon, pimpon, chouchou. Hé. Dans la gueule encore. Oh, ah bah interrompu. Attention, attention. Je peux taper avant? Oui, oui, non, mais... On va mourir de toute façon. Oh là là, l'aspirateur dodo. Alors en fait, je viens de remarquer un truc, tu sais l'anneau là qui fait que je fais un critique. Mais en fait, je crois que parasite. Ah non, tu choisis. Non, mais ça veut dire que là, en fait, à n'importe laquelle de mes attaques, ça devient un critique si j'ai envie, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ouais. Ah, je peux pas, monsieur. Oh, bah, je suis trop chargé, c'est ça? Un Rotten Lemon pour mille milles. Non, mais non. Bon, et en plus, vous avez looté Zreal, il y a des trucs intéressants sur elle. Pourquoi vous m'envoyez pas des trucs intéressants? Ah super, merci, hein. je ne te remercie pas. Alors, tu te calmes tout de suite, moi j'ai rien looté. Hein. Oh là là. Ouais, j'ai looté des trucs, oui. Oh, il y a un problème réglé. Ah, j'ai une armure pénombrale. Pendant que vous êtes obscurcié, le porteur gagne 3 bonus, plus 3 bonus au jet de furtivité. J'ai une hachette plus 1. Oui. Les clés ça pèse quelque chose? Ah mais les clés ça pèse quelque chose? Oui mais bah, c'est que dalle. Pas grand chose. Gars j'en ai 65. Moi perso j'envoie tout au camp et... C'est 65 ça pèse même pas un kilo. On envoie tout au camp, on fera le tri plus tard. Ouais ouais, enfin toutes les armures pourries, moi j'envoie tout au camp parce que ça pèse 3 tonnes et... C'est tout au camp. L'armure pénombrale pour les jets de furtivité. Ouais, non, toi t'as le. Ça intéresse quelqu'un ou pas? L'armure pénombrale, c'est. Ouais, je.
C'est un truc, quand t'es dans l'obscurité, tu gagnes plus 3 à la furtivité, donc c'est une armure légère. Ouais, je peux pas. Ça pourrait être pour Katox si jamais tu veux faire du fufu, mais est-ce que tu veux faire du fufu, Katox? J'en fais moins, là. Ouais, donc je le bazarde au camp. Ouais. Ouais, elle est où? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Ah non, il y a tous les trucs encore qui traînent par terre. Je viens de voir. Ah, j'ai une javeline si ça intéresse quelqu'un. Ouais, à la vente. Je loot bien sûr l'endroit le plus important de tout le château. La cuisine. La cuisine. Qu'est-ce qu'il fait mon perso là? J'ai un protecteur de l'absolu, un bouclier rare. De feu, sort d'évocation, base d'armure plus 2, ça intéresse quelqu'un? Un bouclier, je peux pas le mettre. Moi je suis sur le grand coup de bouclier, donc ça me va. Ok, je vois au grand. On a tout, là c'est bon. Je crois, ouais. Ah non, les wargs, on les a fait les. Enfin, les. Merci. Ouais, c'est vide. Ouais, j'ai envoyé les compos Arda. Oh, il va pouvoir faire des potions de vitesse. Ouais, j'en ai utilisé. On a looté 4. Mais d'ailleurs, les bombes de sport, c'est pas mal aussi, hein, en soi. On peut pas faire un short rest là? Ah, si. Ah, potion de repos angélique, parfait. Vous êtes déjà tout en haut là? J'ai fait 2 potions de vitesse. Oh oui. Grenade. J'ai sport toxique, j'ai embrouilleuse fongique, mais j'ai pas celle que tu avais tout à l'heure. Potion de vitesse, hop, j'envoie ça à notre bon vieux Menmir. Je crois qu'on avait d'autres. Ah, moi j'en veux bien une, hein. Tu m'en fileras une, Menmir, en fait. Oui, je t'en file. Je t'en envoie une aussi. Attends. Ah bon. Bon bah. J'en avais une en réserve. Tu m'as envoyé une pomme à moitié. Qui c'est qui m'a envoyé une pomme à moitié manger? J'adore les trucs que vous m'envoyez, les mecs. Franchement, vous êtes. Tu peux refaire des élixirs de Bloodlust aussi, je pense. Elixir, alors ça s'appelle comment en bon français? Soif de sang. Soif de sang, je peux en faire un. Tu m'en as donné 2? Mais attends, mais toi? Quoi? Tu m'en as donné 2 des trucs. Une potion de vitesse, on avait une, il t'en a fait filer une. Ah, et toi? Mais ouais, c'est bon ça, j'en ai. Mais je les mets dans mes sacs parce que sinon c'est le merdier. Ah bah moi je les laisse là parce que comme ça au moins elles s'empilent direct. Oui. Sinon après, le stack, et vu que vous m'envoyez tout ce qui traîne par terre, qu'est-ce qu'on trouve ici? Plan d'invasion de la porte de Baldur. Oh non. On l'avait tout à l'heure déjà. On l'a déjà fait ce truc-là. C'est en haut, à l'étage, dans la chambre du général. Pas dans la chambre, mais un peu au-dessus de son trône. Ouais. Tu as renvoyé des potions de guérison supérieure. Ah. Oh merde! Putain, je croyais que vous étiez à l'étage! Il y a un combat qui vient de se lancer. Oh putain! Ouais, bah, je pense que c'est pas plus mal que vous soyez pas là. Hein. Ouais, on va attendre un petit peu. Ouais, on recule, hein? Bah, en soi, on a qu'à juste attendre. J'ai peut-être pas me prendre des boules de feu dans la gueule tous les tours. Mais il suffit que tu passes pas ton tour. Ah oui, d'accord. Mais vous êtes en combat là? Oui. Mais attends, mais on n'avait pas moyen d'y aller là-bas sans passer par là où on est? Comment ça? Non. Non, pas cette partie-là. Ouais. Bon, moi je suis derrière. Hein. Ouais. C'est bon, on peut y aller ou tu veux essayer de t'infiltrer pour leur mettre des tétanes dans la bouche gratuitement? Moi, je vais essayer de m'infiltrer. Après, 18 PV, et la fille elle a combien? Je sais pas où elle est. Ouais, mais. Ah non! Ils ont pas de résistance. Si je vais avancer, je vais faire de Eldritch Blast dans la tête là. Ah, j'ai l'avantage. Ah, mais oui, j'ai les gants. Ah, s'il te plaît, la pousse pas. Si tu peux retirer la capacité que tu as de pousser les ennemis, parce que quand ils sont paquets, moi ça me donne un avantage. Je sais même pas où tu vois où je peux désactiver dans ça. Dans le passif, tu l'as ton truc Eldritch Blast qui repousse Repelling Blast. C'est vachement moins drôle. Attendez, je vais essayer de sauter. Oui, alors c'est moins drôle, mais essaye. Alors, avant de les repousser, je peux peut-être faire un petit frac. Je peux toucher 4 mecs là. Vas-y. J'attends. Je sais pas.
Ok, tu peux déjà défoncer à peu près. En soi, j'aurais pu aussi faire un shatter. Je t'ai foutu en plein milieu de là où ce qu'on voulait faire, mais vas-y, lance ton spell. Non, bah toi, je suis dedans aussi donc. Non, non, mais vas-y, lance ton spell, moi je vais les pousser après. Ça c'est fait. Il reste 2 PV. Y'a plus rien pour lui faire des dégâts. Non, c'est bon, c'est bon. Ah bah tiens, parfait. C'est toi le chat. J'aime bien le nécromite. Le M est très important. Oui. Ah, faut pas le prononcer quand t'es enrhumé quoi. Oui. Bon, on fait le... Un petit short rest. On peut faire un petit short rest. Qui lance le short rest. Aussi tétiner des potions de soin. Je vais laisser le nain lancer le short rest. Ah, mais oui, non, je suis bête. C'est bon, tout le monde est d'accord pour un short rest ou pas? Vas-y. Oui, bon, ouais, ouais, 3, ouais. 2, 1, partez. Ah, ça va mieux. J'ai pu claquer mon dernier sort en armure d'Agathys, donc voilà. Ouais, mais c'était pareil, c'est là, pour là, ça là, que du coup, j'ai pas mal de PV. Ah ouais. Et ceux qui m'attaquent infligent 20... ceux qui m'attaquent leur infligent 25 points de dégâts de froid. Ouais. C'est bien ça, allez. Hidden stealth. Let's go. T'as réussi à t'infiltrer? Ouais, je suis allé en cachant, il a savoir que j'avais réussi la discrétion. What have you done? What have you Alors, done on est en train de parler à notre très cher Kessrick. Ouais, je suis en train de... Ah, j'aurais dû laisser Katox le faire à ma place, il y a de l'intimidation et de la persuasion. Mais tu lui dis 3 là, tu lui dis 3. De toute façon, là on va se casser la gueule, hein, on va pas se mentir. Hein. Ah ouais, il faudrait que je joue plus avec des trucs comme ça, moi. Are like the digits of a hand. It is for you to act, not to decide. You serve the absolute. You serve me. Bow, you dog. J'ai le jet de discrétion. Bow. Quand même devant lui. The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me. And if you will not bow, you will break. You. How good it is to see you again, Ketherick. At last, you found a godmaster that suits you, it seems. Aelin, the thief. You stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name? After your crimes, innumerable, you would evoke her before me! Enough! This ends here and now. At last. He will crumble at the power of your touch. J'adore les tests réussis discrétion à chaque fois. Ah, vous les avez aussi, ça pue. Oui. Alors que je suis là, hein. Je suis en plein dans la. J'ai eu un bon combat. Ah, c'est énorme. Oh putain. Alors, comme j'ai pas cliqué sur la porte pendant la cinématique, bah, je suis en bas. Vas-y, arrive. Bah non, ah, mais du coup... parce que je suis en combat, en bas. Ah, et du coup, je suis en combat là. Ouah, vas-y, ça se. Alors, il a quoi déjà lui? Parce que. Après, il a combien de PV? Putain. 145, ça va, on a non, déjà. Non, mais regarde surtout les jets de sauvegarde. Les jets de sauvegarde, ça va être la mort sur lui.
Ah, 22, ouais. Ouais. Celui d'en bas, ça va, c'est 15, c'est facile. Dû à l'armure, dû au bouclier, dû à la défense, quoi. Oui, alors le bouclier, tu vas être très content, mais moi je veux son armure. Je veux son armure. Type oh, Morion. Putain, même, okay. Je sais même pas si j'ai envie d'aller au cac avec lui personnellement, je me chie dessus. Excuse-moi, mais le gars il fait 75 kilos, je doute. Ah oui, doute alors, fortement. 300. Oh, putain, one-shot sais... une créature. Il a one-shot deux créatures. Moi je vais faire ça. Il a one-shot trois créatures, c'est incroyable. Ah, il est en train de... Ah, j'allais dire... Il fait le saumon. C'est bon. Oh là là, oh là là. Bon, ça, c'est fait. Ce côté-là, c'est cliné. Hein? Ouais. Je me suis pris le poteau. Sur ce, je vais aller capter derrière un bras zéro. Je me suis pris le poteau. Ouais, éloigne-toi, parce qu'à mon avis, là, il va foncer sur... Oh, je sais pas sur qui. Bah, je me dis, il va peut-être foncer sur l'Azimar qui est au milieu, tu vois, ou alors sur toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Incubation, on va falloir casser ça. Oula, oula, il est en train de jouer au chat, là. Eh, oula. Ouais, ouais, je... Ah. Eh ben, au revoir, Ah ouais. T'as fait quoi là? Bah il est contre nous. C'est qui c'est? Putain. Ah. Il a utilisé la hâte en plus. Oh putain. Bon bah on va avoir un chouchou train qui va venir nous taper sur la gueule. Chouchou train. Oh, mais il y a peut-être moyen de moyenner non? Bah là j'espère que tu vas réussir ton jet de je sais pas quoi parce que sinon on va moi, vraiment pas apprécier passé... la blague. C'est moi ils m'ont passé le tour. Ils m'ont passé le tour, les bâtards. Je crois que oui, dans le turn order, tu vas... tout le monde va jouer, ça va être toi à jouer, on va repartir dans le début du turn order. Ça, par contre, c'est mal codé, tu vois, ils auraient dû faire un clic dessus, genre vous êtes tous prêts à partir, oui, et on y va tous en même temps, parce que là, comme moi, il avait commencé la cinématique, j'ai regardé la cinématique en attendant, quoi. Ah ouais, c'est ça, en fait, il t'a donné l'ordre de taper sur quelqu'un, Arda. Ah ouais, t'es bien. Oh, ça sent PV un élémentaire de feu, pas mal. Oh, joli! Atémir à côté, je me casse! Après, s'il saute, il peut venir te casser la gueule. Il y a ça aussi. Oh! Bonjour! Ah. Hein, quoi? Attends, il te tape dessus. Pourquoi tout le monde me tape dessus là, mais bon. Ah bah c'est à toi, Kato. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il boit par contre? Ouais, ça, je suis à perpète, quoi, ça me saoule. T'as pas un Misty Step à utiliser là pour venir? Je fais une flèche, mais de transposition, mais de toute façon, faut que je me bouge, faut que je... J'ai deux volets d'escalier à faire, donc qu'est-ce que tu fais? Bah, fais-les. Enfin avec... Ah non, la flèche, tu peux pas te TP bah non, en vu haut que c'est... Bah, ça, je fais 7 mètres, quoi. Ah, ça, c'est con. Ah non, t'avais pas... Attends. Ah putain, c'est vrai, je peux pas accéder à mon sac. Peut-être une Misty Step à claquer, ah ouais, là. Je vais mettre en plein milieu du bout, ça. Non, je vais mettre loin de lui, en fait, c'est bien. Ouais, Ce qui est bien, c'est que le truc que j'ai balancé avec l'élémentaire, ça fait 4d6 de feu. Ah putain, regarde. J'ai fait 7 de dégâts. Ouais, mais c'est parce que c'était un jet de sauvegarde qu'il fallait faire. Et lui, il file plus 5 à tout le monde autour de lui. Tous ses alliés, ils ont plus 5 au jet de sauvegarde, donc ils sont super ouais, buffés. Je pensais que j'allais défoncer les invocateurs. Elles ont résisté au feu aussi. Ouais, mais c'est, ça résiste au feu plus ça, ça réduit tout ça. J'ai pas vu que ça reste au feu. Mon mauvais. Voilà, on a plus. Ouais. Mais elle attaque combien de fois là, moi? Combien de bolos? Après, c'est une acibar. Alors, qu'on soit clair, moi, je sais pas ce qu'il m'a dit que j'avais pas le droit de faire.
Mais je peux totalement aller le tabasser. Bah vas-y. Donc bah je guette pas. Bah après je peux y aller aussi hein, c'est aussi. Attends mais par contre il faudrait que j'arrive à buter un gars quand même. J'ai plus d'huile. Y'a pas un mob qui a pas de PV là ? Les faire chercher, c'est pas je vais. Ah putain, je vais chercher. Je vais... Dice roll 19, putain, c'est chiant. Une critique. Ah, non, dialogue. Back je ne peux pas participer au dialogue, mais c'est génial. Non, ah, c'est parce cette que fois-ci, c'est moi je peux. De feu. Bah en fait j'ai balancé le pouvoir de l'anneau donc c'est forcément un crit. Your daughter. Isabel. What the fuck? Ouh. Même qui veut passer un mauvais quart d'heure, j'ai l'impression. Comme une mouche quoi. Mac. Ouais c'est ça. You will fall as sure as she. This has only begun. Oh non. Oh. La copine. Oh la violence. Tentacle was colossal. The same creature we encountered before. Mais il est passé où le gars? Oh j'ai avantage. Oh merde pardon. Mais. Pardon, je suis désolé. Oh, je suis pas. Je pardon, excuse-moi. Ouais, je me disais, c'est bizarre pourquoi j'ai avancé. Bon, bah ça t'est fait. Ah, mais il est plus là qu'Etheric. Bah non, c'est barré. On a tout pété, plus rien en ligne de vue, quoi, ça saoule. Chemin interrompu, merveilleux. Ah, je suis déçu, là, j'ai claqué mon Axon Surge pour taper sur. D'où se m'a interrompu. Attends, je suis mort quoi. Moi, ce qui me casse, c'est qu'on peut pas le looter le coup. Mais il est pas mort. Ouais. On peut pas en faire plus. Ah, si je saute, je perds 5 PV. Ah, t'as pas fait Zorfall pour. Attends, à la base, si je saute, j'ai que moins 3 PV. Mais attends, il lui reste littéralement 5 PV au gars. C'est ton LM qui va le tuer, tout va bien. Après, il est résistant au feu donc. Par contre, du coup, je suis un peu déçu. Je pensais que ça allait être le combat. J'ai balancé hâte. En vrai, ça a duré. Bah voilà, surtout qu'en plus, il m'a cassé ma gueule. Oh. Ah, c'est l'atte de. Ah, ouais. De l'arc. Ah, c'est embêtant. Il est bien Stark en vrai. Hein. Ah oui, il est bien. Mais après, la concentration, tu l'as. L'arc, je trouvais bien, oui et non, parce que justement, la hâte était facilement brisée. Moi, c'est pareil, j'ai claqué mon pare-chaud d'image miroir. En fait, tu vois, à partir du moment où j'ai un ou deux tours, c'est pas grave, tu vois. Genre, si j'arrive. Mais t'imagines 10 tours de hâte quand même. Hein. Oui, mais il faut arriver à maintenir la concentration dès que tu te prends une claque dans la gueule. Oui, mais c'est pour ça, tu vois. En vrai, de base, les potions ça dure 2 tours et Ah, c'est 2 tours maintenant. Ouais, les potions c'est 2 tours donc en vrai. Ah, c'était 4 tours avant. Bah là, les potions de speed c'est 2 tours. Comment tu le vois? Moi je l'ai pas le. NRP. Ah, y'a un coffre lourd là-haut là. Attends, c'était 2 ou 3 tours, mais ouais, effectivement, ils ont nerfé les popos de vitesse. Bon, après, en même temps, c'était tellement pété. Ah, il est ok. Mais c'est pour ça quoi? Tu veux que je te guidance? Bon, faut faire 18, voilà, j'ai fait une réussite critique. Bien, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un anneau, pour les gouverner tous. Suivre Ketheric. Ah bah c'est dans la tour qui est pétée là. Tu l'as où l'anneau? Je le vois pas. Bah je viens de le ramasser là. Ah ouais? Je vois que t'as eu un pare-choc. Ah ouais. Non. Contact de ghoul, exhortation de réanimer. Donc,
Par contre, ça me stresse, j'ai toujours pour Deadly Order là. La tour creuse, ah bah c'est pas la fameuse tour. Je m'étais fait absorber là. Exactement. Ah. Vous avez looté toute la tour? Bon, je pense, oui. J'ai pris dans les étagères où il y avait les bouquins là. Ah, attendez, j'ai trouvé des caisses là. Coffre. Mais par contre, ça me stresse parce qu'il y a un endroit où on n'est jamais allé du coup dans Moonrise Tower et du coup on pourra pas y aller quoi. C'est où? Bah, tu sais, il y a un épisode où on était sur les balcons et j'avais réussi à squatter pour aller de plus en plus haut en grimpant. Ah oui, c'est vrai, bah c'est juste en dessous de nous, non? Bah, je sais pas. C'est juste. Là. En soi, on peut retourner dans le château, non? Bah, si on vient ici et qu'on saute là, on devrait y arriver. Ah, je viens de trouver des champignons pourris, c'était hyper rentable. Ah ouais, les oars. Ah oui, c'était là où il y avait les oars, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça en venait où, ça? Bah, ça venait juste en dessous. Bah, horreur ailée, d'une qui est morte, mais juste là. Attends, regarde, attends, peut-être qu'on peut rentrer dans la tour. Oui, la porte, on peut la reprendre. Sinon, je fais Featherfall et on saute jusque là. Hein. Oui, c'est ça, mais en fait, je pense que ça nous faisait arriver là où on est maintenant, tu vois. Moi je sais pas, on peut faire Featherfall si vous voulez. Ouais. Non, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Bon, oui ou non? Non, mais on va pas aller loot une pauvre bestiole. Il va pas y avoir l'objet le plus rare du jeu, donc clairement, si c'est pour looter un champignon pourri et la énième masse plus 1, bon. Parce que là, mine de rien, on va peut-être pouvoir arrêter sur ce cliffhanger. Moi j'ai pas envie d'arrêter là. Ah bah oui. Ah ouais, par contre, un autre épisode, ça va être tard là quand même. Non, mais oui, je sais, mais j'ai clairement pas envie d'arrêter, c'est pour ça. Oui, je comprends. Bah, c'est comme vous voulez, hein, c'est. Non, je pense qu'on va s'arrêter ici. Un bon gros cliffhanger des familles. Et ouais. Du coup, je me rappelle plus, c'est moi qui ai lancé l'épisode, oui, c'est moi qui ai l'épisode. Que oui. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai tellement hâte d'être déjà la semaine prochaine pour tourner la suite de cette série. Gros cliffhanger pour nous aussi. Ah bah ouais, parce que là j'avais que l'envie c'était de continuer, hein, d'aller dans ce magnifique réseau de tentacules. Ah, qui ressemble à un sphincter. Ça. Ah, non, le sphincter de l'enfer. Putain, mais il a tué la waifu, quoi. Mais non. Non, il l'a pas tué, il l'a téléporté. Mais je sais pas, moi, je l'ai vu exploser en noir, je t'avoue. Noir. Ça fait mais très... non, c'est comme dans l'intro, tu sais, quand les flashs de leur manteau, pouf, ils touchent les gens et ça les fait aller dans les pods. Ah oui. Ah, ok. Pas bête. Pas bête. Ah, mais du coup, ça va être l'autre partie de. Charnier où on va arriver en fait. Vous verrez ça la semaine prochaine. On vous fait à tous des bisous. Des bisous. Allez, bye bye. Sors là, nous.